hiérarchisation de l'ombre hiérarchisation de la lumière partie numéro 2 vous avez regardé probablement la vidéo précédente si c'est ce pas le cas je vous invite à le faire d'abord pour que celle-ci puisse prendre plus de relief vous permettre des prises de conscience un partage de conscience parce que c'est pour ça que le partage est là pour augmenter nos niveaux de conscience ensemble et ça tombe bien parce que c'est le plan de la hiérarchisation de la lumière c'est le plan de la lumière euh, donc on est parti. Likez, commentez, partagez et diffusez toutes les vidéos qui sont en lien avec vos valeurs, en lien avec ce que vous ressentez, en lien avec eh bien, le processus d'éveil spirituel. Si vous êtes sur ce canal, c'est que vous êtes dans cette démarche. Euh, bienvenue sur le canal La Joie en soi pour les nouveaux abonnés. Euh, merci à tous ceux qui sont déjà là et qui participent à la diffusion. C'est un canal donc de communication, de clairvoyance, de transmutation, de guérison, d'enseignement. Je suis Julien Caroise, du moins c'est l'identité que l'on m'a donnée à naissance. Que je me suis donné à la naissance, ah, mais oui, c'est vrai, en allant chercher ses parents, rappelez-vous tout ça, à réalisation du soir Donc, ce Julien Carrois, cette identité, en tout cas, vient véhiculer en tant que médium clairvoyant, guérisseur, enseignant, deux, trois petites informations qui viennent participer à l'évolution de ce monde. Maintenant que nous y sommes, que vous êtes dans cette dynamique de partage aussi à des vidéos, c'est des actions simples. Hein. C'est des actions très très simples. Je vous donne un exemple personnellement. Quand je vais sur un canal, alors que les petits lézards sont là. Quand je vais sur un, un, un lézard d'ailleurs qui a une symbolique de transformation, de mutation, hein, il laisse partir le bout de sa queue euh, pour bah, laisser partir ceux dont il n'a pas besoin, euh, ses, ses opposants, ses attaquants, les forces de l'homme on pourrait dire. Et puis il va continuer sa vie et puis il va la faire repousser parce qu'il a la capacité de renaître. Bienvenue petit lézard pour le message que tu laisses à euh, eh bien, euh, les êtres qui te regardent. <laughs> Maintenant, qu'est-ce que je voulais vous dire Oui, ce que je fais personnellement, c'est que à chaque fois que je suis sur un canal, euh, une chaîne YouTube, Insta, Facebook, etc. Où les êtres participent à la dynamique dans laquelle je suis aussi, je like automatiquement. Je partage le plus possible parce que c'est des petites actions qui font quoi Qui participent à cette vague énorme qui est en train d'arriver sur Terre par le biais d'énergie folle. <laughs> vous le captez, vous le ressentez. Alors allez-y, c'est des petites actions du quotidien qui ne coûtent rien, mais souvent on regarde la vidéo et puis bah, après ça passe à autre chose et puis on passe dans le flot et finalement on diffuse pas. Rien que les likes, ça fait déjà monter, ça fait déjà permettre à tous ceux qui se lancent, toutes les personnes qui sont dans cette vague, qui, qui sont une goutte de, de cette vague, de lui permettre d'être un véritable tsunami. Donc, allez-y expose-moi directement ce bouton like. On est parti maintenant dans hiérarchisation de l'ombre, hiérarchisation de la lumière part 2. On a vu pas mal euh, tout ce qui se passait au niveau de la hiérarchisation de l'ombre. Évidemment encore une fois ce n'est pas exhaustif. On n'est pas là dans ce, dans, avec cette prétention là. On est là simplement pour transmettre de manière concise, précise et euh, le, de la manière la plus efficace en fonction de ce qui vient là maintenant et d'autres infos viendront par la suite. Alors qu'un chien était juste à côté et se baigne dans le lac tranquillement, il fait sa vie de prince. Il a bien raison. Nous parlons maintenant donc de la hiérarchisation de la lumière. Comment ça se passe Ce n'est pas une hiérarchisation pyramidale, c'est une hiérarchisation horizontale. Nous ne sommes pas dans une dynamique de compétition, nous sommes dans une dynamique de collaboration dans l'humilité et le respect de la valeur de tout être. C'est-à-dire ben justement... Euh, bah, les, les animaux, qu'on soit euh, être humain, homme ou femme, euh, jaune ou noir, peu importe ces catégories étiquettes qui sont les étiquettes de jugement de l'ego, nous en sortons pour pouvoir rentrer dans un espace beaucoup plus co-créatif, beaucoup plus respectueux, beaucoup plus euh, amoureux. Maintenant qu'on a déjà commencé à en parler dans la vidéo précédente, on le développe ici euh, à la lumière du processus d'éveil spirituel quand vous êtes dans une dynamique de processus d'éveil spirituel, ce qui va vous faire monter en lumière, donc pas par rapport aux uns ou aux autres, ça c'est la dynamique de l'ego, mais plutôt monter en vibration, en conscience, c'est la déségotisation. C'est-à-dire que vous allez avoir des tests sur votre chemin. C'est pour ça que l'éveil spirituel s'adresse aux courageux. À part... Le courage, c'est sortir de sa boîte, c'est sortir de la fausse identité, sortir des croyances limitantes, c'est le fait de regarder ses illusions en face, c'est le fait de regarder la peur en face, de regarder ses peurs en face. Les autres vous rappellent, si on a vu dans, le, dans la hiérarchisation de l'ombre, de ce qu'ils font, c'est que la peur va se nourrir de la peur et va utiliser ta lumière. Et donc, pour qu'ils puissent avoir une accroche sur toi, il faut qu'ils chope ta peur et qu'ils te manipule avec. Mais donc, quand tu es en prise avec ce type de personnage, et a, nous sommes tous faits d'ombre et de lumière, c'est complètement ok, il a encore une fois pas de jugement ici. Maintenant, quand cette personne, peu importe le, le, au niveau d'ombre dans laquelle est la personne, elle va accrocher chez toi, son égo va chercher, à, pour ne pas bouger, pour ne pas changer, à accrocher le tien. Donc, ici, si toi tu viens travailler tes peurs, si tu viens te regarder en face et arrêter d'accuser l'autre, d'être dans ce pris, euh, cette dynamique de victimite, mais que tu viens être courageux tu viens te regarder, tu viens t'apprécier, tu viens t'aimer et tu viens transmuter ces peurs-là. Déjà, tu es en train de monter en vibration et c'est le processus majeur de hiérarchisation de la lumière, c'est-à-dire monter en puissance. Quand on vient monter en puissance, nous venons retrouver ce pouvoir que nous avons tous à l'intérieur, que la peur fait maladroitement, c'est-à-dire qu'elle est impuissante, la peur, et elle cherche à avoir du pouvoir en contrôlant les autres, elle croit que c'est comme ça qu'elle va être puissante. Il n'en est rien puisque c'est un processus de destruction, on n'est pas ici dans un pouvoir créateur. On ne pourra rien créer si ce n'est le chaos. Donc le véritable pouvoir est en soi et en chacun de nous tous, et il nous est euh, absolument euh, convié, nous sommes absolument invités à venir le retrouver. On va venir retrouver cela au fur et à mesure que l'on s'éveille, donc en... faisant face à ses peurs et à chaque fois qu'on est courageux et qu'on transforme ses wow. croyances limitantes, Illusions. Bienvenue les chiens. Ils vont euh, probablement se baigner eux aussi. Euh, à chaque fois qu'on fait face à ça, on va du coup purifier notre esprit de toutes ces pensées négatives. Nous allons purifier notre esprit de tous les schémas qui nous gardaient prisonniers. En faisant cela, nous gagnons du coup en pensées positives de plus en plus au quotidien. Plus vous pensez positivement, plus vous savez que vous allez créer du coup, récupérer votre pouvoir créateur et créer une vie qui est. Bien plus heureuse euh, que. Euh, ils sont tous les trois en train de se baigner. Bonjour. Vous allez récupérer donc du coup une vie euh, bien plus heureuse et euh, le développer euh, pas à pas, étape par étape. Dans ces étapes-là, euh, il va y avoir donc des épreuves, des tests. Pour voir si vous êtes prêt à pouvoir, euh, j'ai envie de dire, récupérer la vibration suivante. C'est-à-dire qu'imaginons que vous avez développé dans votre vie. Une vibration. Vous êtes porteur de cette belle vibration qui est, euh, eh bien, euh, euh, la force. Voilà. Vous êtes valeureux, vous êtes courageux, vous allez de l'avant. C'est super, c'est une très très belle vibration. Mais maintenant, si vous vous cantonnez à cette vibration, à cette identité-là, vous allez perdre de vue tous les autres rayons du Soleil auxquels vous appartenez et qui, qui font que vous allez pouvoir vous développer. Hein, dans ce retour vers la source, dans ce retour vers le beau Soleil que nous sommes ça nous demande de venir développer les autres rayons. À un moment, une fois qu'on a fait le tour d'un certain type de rayon, on va du coup devoir en développer d'autres. Pour ne pas se cantonner donc à euh, l'ego qui dit « je suis fort, je suis fort, je suis fort », à un moment, ce beau rayon euh, participe, on voit plein de, de, de belles vibrations, mais pour pas, si, à un moment, tu vas faire la limite de ce rayon-là. Et c'est là que l'ego intervient et se croit fort tout le temps. Ici par exemple, tu vas devoir donc développer, euh, je ne sais pas, la bienveillance, la douceur, l'humilité, euh, etc., etc. Il y en a plein. Maintenant que ça s'est dit, donc pour développer le prochain rayon, pour développer les prochaines qualités inhérentes à l'amour, il va te falloir euh, eh bien, euh, réussir les tests. Là, tu as des examens. Là, ça va te demander à chaque fois un abandon. Un abandon de ce qui n'est pas, de ce que tu n'es pas, de ce qui ne correspond plus, pour aller vers un abandon vers ta joie, vers un abandon, vers qui tu es vraiment. Un abandon à l'amour, un abandon divin. Donc, maintenant que ça s'est dit, tu vas donc avoir ce processus d'éveil qui est en cours. Dans ce processus d'éveil qui est en cours, il va te falloir garder ce rayon force. Il va falloir garder ce rayon courage. Tout du long. Ça, c'est un rayon absolument nécessaire, obligatoire si tu veux. J'ai envie de dire euh, aller jusqu'au bout. <laughs> bon, il y a... Probablement d'autres chemins, donc je vais même faire preuve peut-être euh, bah, d'humilité ici. Donc, c'est peut-être pas, pas forcément si obligatoire, euh, mais ça va être peut-être nécessaire à un moment, ça c'est sûr. <laughs> voilà, il y a tous les chemins mènent à Rome finalement, et puis euh, c'est vrai qu'on peut passer par, par d'autres biais. Maintenant, pour être plus complet, ça c'est euh, en effet, euh, j'ai envie de dire, un enseignement euh, majeur de venir intégrer cette persévérance, cette euh, consistance, cet euh, euh, abandon. À soi à l'amour c'est abandon au soi sans abandonner ta voix tu vois sans abandonner cela <laughs> paradoxal n'est hein, ce pas voilà qui est dit donc pour et euh, eh bien cette cette partie de, de développement dans euh, dans le processus donc de, de mise en conscience de, euh, de ta vibration de ton aura etc alors que les chiens ont fait un bain magistral, il y en avait trois, ils adorent l'eau, ils kiffent les lacs, enfin si vous habitez près de, près de l'océan, de la mer ou les lacs, vous savez, ils plongent directement dedans pour se purifier. Merci les chiens parce que justement, le, le travail de, de processus d'éveil spirituel est un travail de purification, un travail de purification donc de l'esprit et nous avons vu que de moins en moins, nous sommes pris au piège avec les entités négatives. Qui, sont, euh, qui dirigent les super-égos. Les super-égos, on l'a vu dans la vidéo précédente, euh, donc là on a tout ce qui est euh, cannibale, pédophile, etc. Vont euh, diriger, euh, implanter euh, de la peur chez par exemple, les pères narcissiques. Les pères narcissiques vont implanter ça chez d'autres victimes euh, du, du type narcissique mais moyen, on pourrait dire. Et puis euh, les narcissiques moyens vont tenter de transmettre ça aux empathiques. Là on a tous les sauveurs. Mais toi, tu es donc venu passer par cette step d'ailleurs qui est fondamentale dans, dans le processus d'éveil, c'est euh, le fait de sortir de ce sauveur, de ce rôle de sauveur qui participe au triangle infernal de l'horreur. Donc quand tu sors du mode sauveur et que tu sais dire non, tu dis non à l'horreur, tu dis non à la peur, non à la non-prise de responsabilité, et toi tu prends les tiennes en t'occupant de ta vie et tu laisses les, les uns et les autres faire, il y a ici du détachement à voir, c'est... Absolument majeur sur ce processus d'éveil spirituel. Une fois que tu passes par cette step, on pourra y revenir parce qu'évidemment ça peut prendre euh, des heures d'en parler. Euh, maintenant que cette step-là, où beaucoup, 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 j'ai envie de dire, donc il faudra qu'on en parle, on a dit aussi, beaucoup d'êtres sont bloqués ici. Sont bloqués ici parce qu'ils n'ont pas effectué ce démantèlement de l'ombre euh, dans leur vie euh, suffisamment nécessaire pour pouvoir sortir de la matrice 3D. Ils sont encore plantés. Donc ça veut dire qu'ils sont encore reprises avec l'ego. Et euh, donc ils ont... Voilà, y a, et on est tous là-dedans, on doit faire face justement à euh, euh, voilà, nos, nos, nos démons intérieurs, hein, qui sont des pensées négatives et qui vous éloignent de votre véritable pouvoir. Donc plus vous avancez dans ce processus de purification, qui passe par euh, une concrétisation, on n'est pas sur Terre pour rien, hein. euh, on est dans, dans les actes, dans les comportements, dans le relationnel. C'est très 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 important. Ça ne suffit pas de le faire euh, simplement... Euh, euh, en soi sur le plan de l'esprit et de ne pas lacter. Là euh, tu, tu n'es pas courageux pour le coup jusqu'au bout. Ne faisant pas cela. Épreuve non validée, tu recommences. Donc si on veut valider les épreuves, hein. et puis c'est des épreuves que tu as choisies, hein. ce n'est pas des épreuves qu'on qu t'impose, c'est la peur qui impose. Là, on, là, on est, nous on est dans la hiérarchisation de, de la lumière, là, on est dans cette étape-là. Donc ici, c'est au contraire c'est le libre, le libre choix, le libre arbitre. C'est toi qui l'as décidé en venant ici donc tu as décidé de passer ces épreuves là et donc tu regardes ce qui se présente sur ton chemin et tu l'actes pour aller plus vite même si c'est pas un concours de vitesse mais ça va te permettre de fluidifier ton chemin pour monter en conscience monter en vibration développer cette lumière et plus tu fais ça donc plus les esprits sans on le voyait la fois précédente arrivent vers toi tu fais un processus de purification de la pensée plus ils arrivent et plus ces esprits-là vont rentrer et transmettre. C'est une très bonne nouvelle parce que, guess what Tu es cet esprit saint. Tu es, tu peux incorporer euh, la vibration, par exemple, je ne sais pas, de, euh, si tu es branché avec, euh, euh, allez, avec euh, Jésus. On va prendre Jésus. Si tu es branché avec Jésus. Et bien, ce qui se passe ici, c'est que tu vas pouvoir non pas incorporer toute son énergie parce que tu as encore à travailler avant d'être ce maître-là. Hein pour le coup, pour arriver à ce type de, de, de vibration-là, bah tu as quelques vies probablement devant toi. Mais ça n'empêche pas, en toute humilité, en tout voilà, toute, toute reconnaissance de là où on en est, sans se comparer négativement, Voilà, sans, sans croire qu'on a moins de valeur que tout être, Voilà même qu'un maître ascensionné comme Jésus par exemple. Voilà, nous avons tous cette même valeur. Et d'ailleurs, je fais une petite digression ici. Euh, qui fait un lien avec euh, la dynamique du Sauveur avant, d'ailleurs on me dit. Euh, bon, je pense ce qui vient sur le moment. C'est <laughs> canalisé aussi. Alors, là, ça me dit, euh, dans la dynamique avec Jésus, il nous apprend justement à sortir vraiment du rôle du Sauveur. C'est-à-dire dans la mésimper... Euh, comment on dit ça en français la mauvaise interprétation, je vais dire ça comme ça, à euh, défaut, euh, la mauvaise interprétation des hommes de, de, de ce qu'a fait Jésus. Il ne sait absolument pas sacrifier ce que fait le Sauveur. Il se sacrifie pour les autres. Non, non, non. Lui, il est venu honorer sa vérité jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il a été qui il était jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire qu'il savait que la mort n'existe pas. Et donc, il a été courageux jusqu'au bout et il a fait sa mission. C'est-à-dire. Il n'invite personne à venir mettre fin à sa vie pour. Euh, euh, comment dire euh, De manière euh, kamikaze. Voilà, les kamikazes, c'est la peur, ça, pour le coup. Non, là, tu ne te, tu, tu, tu te mets pas en danger. L'idée, ce n'est pas de se mettre en danger. C'est vraiment euh, d'être droit dans sa lumière et puis de se lever pour sa vérité et de rester bah, justement debout jusqu'au bout. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que. Et là, les chemins des uns et des autres sont différents. On n'a pas tous à passer sur la croix. Voilà. On n'est pas sur un chemin de croix, on est sur un chemin de foi. De foi en soi et de foi en ce qui résonne. À partir de ce moment-là, tu vas te tenir debout et tu vas pas bouger. Quoi qu'il arrive, quoi que les, les, les forces de, de la peur ont essayé de te déstabiliser, tu ne bouges pas. Tu restes en face et tu les regardes. C'est comme ça qu'elle disparaît. Ça se passe. De manière automatique, dans la vie de tous les jours, je vous invite à développer ça. Voilà, restez bien centré à l'intérieur, conscient, confiant. En votre lumière, elle fait le boulot. L'autre, il va s'exciter de manière différente en tentant, je sais pas, des, des insultes, des violences, des ci, des, des ça. Restez debout. Voilà, restez digne jusqu'au bout. Maintenant que c'est transmis ici, euh, on est du coup plus dans cette dynamique de sacrifice, mais euh, de parler pour sa vérité et de laisser la vérité libérer ce monde. Alors on me dit aussi ici euh, <laughs> la vérité te libérera, c'est ce que dit Jésus. Euh, Connais-toi toi-même, euh, ou, ou, je sais plus comment il le dit, peu importe. La vérité te libérera. Et j'ai envie de dire aussi, mais d'abord elle va t'emmerder. <laughs> d'abord elle va t'emmerder la vérité. Mais pose-toi la question. Qui la vérité emmerde-t-elle Ton ego ou ton âme Eh oui. La vérité emmerde l'ego. Parce qu'il n'a pas envie de bouger. Il n'a pas envie de changer. Il veut rester dans cette identité. Il veut dans, dans, ce, dans ce confort. L'illusion totale, encore une fois. Euh, voilà, il veut rester dans ses illusions. Il n'a pas envie de bouger. Il n'a pas envie de faire d'efforts. Alors, bah oui, bien sûr que bah, tu as, as des épreuves sur ton chemin. Si tu vas avancer sur le chemin de la lumière, bien sûr que on, ça va te demander de mettre ton cœur à l'œuvre. Bah, bien sûr, c'est ça qu'on appelle l'effort. L'effort, ce n'est pas se tuer à la tâche c'est suivre son cœur de manière euh, centrée douce bienveillante en respectueuse de soi et dans la direction qui compte qui te fait battre ton cœur avec passion hein un effort en fait c'est pour moi on devrait même changer cette, cette définition là à, ou peut-être que j'ai pas pris le bon mot mais en tout cas euh, cet effort là il, il, il se fait finalement avec facilité il y a la force qui est là il y a la force qui est là et cette force elle est lumineuse elle te bou Propulse, euh, j'ai envie de dire, euh, vers l'avant, tout en étant bien centré à l'intérieur. Ok, maintenant euh, que cette euh, digression a été faite euh, sur euh, la vérité te libérera, mais euh, elle te t'emmerdera d'abord, <laughs> regarde justement pourquoi elle t'emmerde. Qu'est-ce que ça vient choquer en toi hein Plutôt que de, 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 de purger négativement l'autre qui est en face, de lui dire euh, non, mais pour qui elle se prend mais pour qui tu te prends, pour qui il se prend, ça c'est le mécanisme égotique qui est en train de comparer et qui est en train de se croire moins, euh, moins puissant. Alors que voilà, euh, nous avons tous à nouveau la même valeur et la même puissance à l'intérieur que nous pouvons retrouver en diffusant nos rayons, en développant d'autres rayons, et nous rejoignons peu à peu la source. Donc je reviens maintenant. À notre entité notre entité bénéfique positive euh, qui est euh, Jésus par exemple se mettre à ascensionner vous pouvez non pas incorporer toute son énergie mais vous pouvez euh, incorporer peu à peu cette énergie dans la descente des corps il vous faudra peut-être plusieurs vies pour développer le niveau énergétique qui est, euh, qui est là pour Jésus ou pas qui sait on verra ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un développement au quotidien. Aussi, on me dit ici, vous le savez très probablement, si vous ne le savez pas encore, reprenez cette dimension-là, le Christ est tous en nous. Hein, L'énergie christique d'amour, c'est quoi C'est l'amour inconditionnel. Et en nous tous, même chez le plus ombrageux des ombrageux, comme on a vu dans la pyramide de l'ombre. C'est en nous, c'est à l'intérieur. Maintenant, quand tu es dans la pyramide de l'ombre, là, tu t'es éloigné de cette énergie. Cette énergie, elle est très menu on pourrait dire on peut la retrouver, c'est possible mais ça va demander justement aux forces de la lumière et eh bien de se détacher de tout ce qui les gêne de tout ce qui les gêne dans le sens euh, dans tout ce qu'ils ont transmuté donc c'est leur ombre leur propre peur, voilà, je viens travailler mes propres peurs, j'ai le courage de faire face à mes propres peurs, de les transcender à, voilà, Jésus par exemple, il a transcendé la mort parce qu'il savait très bien qu'à côté, bah, il avait retrouvé tous les autres et que ça allait être la fête là-haut. <laughs> et puis qu'il reviendrait de façon aider. Et qu'il avait transmis justement cette étincelle, il a fait son job de partage. Donc, cette étincelle, Christique, elle est partout chez beaucoup d'artisans de lumière qui l'ont déjà développée à un certain niveau. Vous pouvez la développer encore plus. Nous avons tous Dieu en nous, nous avons tous l'amour inconditionnel en nous. Donc, dans cette hiérarchisation de la lumière, plus ça va aller, plus vous aurez donc séparé, euh, vous serez séparé des esprits euh, malsains, plus vous aurez fait ce travail de purification de vos peurs, donc purification au niveau de l'esprit, purification des émotions, purification du corps, puisque tout est engrangé dans le corps. On, on, on se souvient de ça, hein C'est le corps qui nous permet de nous souvenir. D'où l'idée de se recentrer dans son corps quotidiennement. Vous allez pouvoir attirer de plus en plus de vibrations qui vont vous ramener à euh, la lignée euh, lumineuse à laquelle vous êtes affilié. Il y a plein de lignées lumineuses. Hein, et puis ces lignées lumineuses, ça va venir pour vous de manière assez naturelle. Vous allez voir comment ça se passe au fur et à mesure. C'est déjà un niveau avancé, hein, j'ai envie de dire. Mais à ce niveau-là, eh bien, vous allez tranquillement, vous rebranchez aux énergies et que vous soyez conscient ou non d'ailleurs de la lignée lumineuse à laquelle vous appartenez, avec qui vous œuvrez, avec qui vous avez conclu avant de venir ici des accords, un contrat, pour pouvoir et eh bien aider à votre propre évolution et à l'évolution collective. C'est comme ça qu'on aide. Je m'aide moi-même, j'aide les autres. Voilà, je ne garde pas pour moi. parce qu'à ce moment-là, c'est de l'égoïsme, c'est de l'ombre. Non, non. On me donne. Je donne, et donc c'est de cette manière que le donner-recevoir eh continue de faire son chemin et d'illuminer le monde. Donc, euh, il y a eu pas mal de digressions ici, mais vous retrouvez donc cette lignée lumineuse. Vous retrouvez cette lignée lumineuse, et euh, que vous en soyez conscient ou non, la descente se fait dans les corps. Plus la descente se fait dans les corps, plus vous passez des épreuves, plus vous réussissez ces épreuves, plus ça circule encore. Sur le chemin, bien sûr, il y a des douleurs qui sortent, il y a des émotions. Bien sûr qu'il y a des, des illusions dont se détache. Au départ, voilà, c'est difficile. C'est difficile sur le, le moment de voir qu'on s'est menti à soi-même. C'est difficile de, de voir que, ah oui, mais, mais là, je ne me suis pas respecté. Mais là, là, là j'ai été, euh, été odieux. Euh, là, j'ai été, euh, euh, pour certains, bah, violent. Euh, voilà, peu importe. Ici, justement, tu vas rentrer dans ce processus d'acceptation, d'amour de toi. Et plus tu vas avancer avec cette dynamique donc de pardon, pardon à toi-même, pardon aux autres, demander pardon à, à ta ligne lumineuse, à, à ton équipe céleste. Ça vibre de partout dans mes mains. Euh, C'est une bonne nouvelle. Alors, un message complémentaire. Ouais. Alors, il y a un message complémentaire ici. Euh, C'est sur la sexualité. Ok. Alors ça, c'était pas attendu. Ouais. Ok, très très bien. Donc ici, on me dit aussi, donc euh, je, je fais une petite parenthèse, j'ouvre une parenthèse. Là, on me dit, euh, c'était en lien avec la vidéo précédente. Fais, euh, je ne vais pas dire attention, ce n'est pas, pas le mot. Euh, porte ton attention sur quel type de vibration tu, euh, tu mets à nouveau dans ton lit, on me dit. Quel type de vibration tu mets dans ton lit quel... Et le lit, on va dire, c'est vraiment là que tu partages ton énergie de manière euh, intense et complète. Dans un sens ou dans un autre. Donc, ta lumière ou ton ombre. Donc, et ensuite, l'extension de ça, c'est les, les, le, le, les différentes relations, ben, amicales, euh, pas conjugales, du coup, euh, euh, je ne sais pas moi, professionnelles, parentales, etc. etc. Mais c'est au niveau du lit que ça commence. Euh, ici ils sont en train de me dire que, ce que regardez ce que vous acceptez, regardez ce que vous n'acceptez pas et mettez-le en place. Mettez-le en place parce qu'il y a beaucoup de mécanismes du coup de domination, euh, que ce soit les hommes ou les femmes hein, ici, euh, ouais, où ça, ça demande de, de, bah, de libérer des liens, parce que vous restez prisonnier en ayant... Euh, en fait, on me dit qu'il y a des personnes ici qui sont... Euh, dans euh, une espèce de... comment dire euh, Comment ça s'appelle Polyamoureux. Voilà, les polyamoureux. Donc en fait là, il y a des personnes qui sont euh, avec, euh, avec plusieurs personnes, par exemple, euh, ou euh, qui, euh, qui naviguent de, de personne en personne. Attention à faire ça, parce que vous ne prenez pas le temps de, de purifier vos énergies après une relation. Et ce qui se passe, c'est que vous faites exactement ce que fait le travail de l'ombre, c'est-à-dire que vous avez encore les énergies pas forcément top de la relation d'avant. Et vous allez faire quoi Vous allez le transmettre à quelqu'un d'autre. Vous ne l'aurez pas traité, vous ne l'aurez pas purifié. Et c'est ça que vous allez offrir à l'autre. Et c'est si tout le monde fait ça, vous voyez le mélange pourri que ça peut donner. Donc là, voilà... Bon, J'y vais parce que tout simplement, bah, il me, me transmettent cela. Et là, c'est parti, les vibrations, donc le message est passé. Ok. Voilà, donc ici c'est très très important pour pouvoir euh, se développer dans l'amour, c'est euh, sortir de cette fausse euh, liberté dans laquelle on se croit être quand on est dans ce polyamour en fait. <laughs> on euh, va euh, chez plusieurs personnes et on demande quelque part aux autres de, de nous guérir. Ah, illusion complète. Illusion complète. Il n'y a pas plus faux que cela. C'est-à-dire que vous allez. Euh, Bien sûr, vous allez travailler des choses avec les autres, mais vous êtes en, là dans une dynamique d'utilisation de l'autre. À nouveau, à ce moment-là, il y a des personnes qui sont dans une dynamique ben, ombrageuse. Là. Vous n'êtes pas là pour utiliser l'autre. Si vous êtes dans une dynamique de lumière, vous êtes là, en effet, pour participer à, à, à son bonheur, participer au vôtre aussi, mais dans une dynamique euh, euh, équilibrée, dans une dynamique de donner-recevoir, dans une dynamique de... Euh, J'offre euh, le meilleur de moi-même à l'autre, en fait. Je, je ne lui, lui refile pas mes ombres. Ben non. Viens traiter tes ombres. Viens traiter tes peurs ici. Si. Donc, ça, c'est n'est pas pour tous. Hein. Mais euh, ce message demande à être passé parce que euh, trop de gens se méprennent euh, sur le plan euh, sexuel euh, des énergies euh, qu'ils transmettent. En fait, il voilà, y a une méconnaissance, me dit-on clairement par rapport à ça. Donc, là, bon. Je pense que ce n'est pas pour tous, bien sûr, mais ça demande d'être dit. Euh, parce que c'est par ce moyen-là aussi euh, qu'ils euh, voilà, qu avaient l'habitude de, de transmettre leurs énergies, me dit-on. Bon, voilà, c'est fait. Très bien, très bien. Euh, on continue donc dans la hiérarchisation de la lumière. Euh, bah, du coup, sur. Voilà, alors là on me parle de, de couple sacré. Bon ça part dans différentes directions et je prends comme ça vient sur cette guidance là. Et ça revient à nouveau, sexualité, sexualité, sexualité. Okay. Donc ici, vous allez rentrer dans une dynamique de couple sacré qui est euh, très intense. Alors, pas, pas tous évidemment, mais il y a d'abord justement, alors pour arriver sur les dynamiques de couple sacré, ça demande de lâcher tout, tout les, le relationnel avant qu y est karmique. Donc là, ça dépend des chemins de vie des uns et des autres, mais ça, euh, voilà, il faut balayer, nettoyer. Purifier, euh, transcender, transmuter, euh, faire face aux peurs, devenir de plus en plus lumineux, ce que nous sommes déjà, mais l'accueillir ici dans la matière, par des actes concrets, par euh, des, des choix, des décisions. Maintenant que ça s'est dit, vous allez aller de plus en plus vers le couple sacré. Beaucoup de personnes sont dans cette dynamique de couple sacré aussi en ce moment. Cette dynamique est puissante pour venir euh, s'aider à évoluer. Elle n'est absolument pas à un chemin euh, euh, linéaire euh, comme une balade sur un lac tranquille comme font le petit pêcheur à côté de moi là <coughs> excusez-moi j'avais un petit moucheron en parlant <coughs> ouais <coughs> excusez moucheron qui est passé quand je disais le petit pêcheur bref euh, ici donc dans la dynamique de couple sacré c'est pas toujours euh, un chemin linéaire hein, c'est pas un chemin tranquille mais vous allez pouvoir euh, vous aider aussi ici à, euh, à me dit-on accepter euh, cette même dynamique d'acceptation et de non acceptation qu'est-ce que je euh, j'accueille qu'est-ce que je décide de ne plus accueillir parce que c'est pas bon pour moi c'est pas bon pour mon bien-être ça se passe aussi pour les couples sacrés euh, bien sûr. J'ai envie de dire. Voilà, il me dit simplement de le retransmettre là. OK. Bien. Euh, bah écoutez, pour moi là, c'est tout. Il euh, y a assez de choses qui ont été dites. Je ne pars pas dans la hiérarchisation de la lumière euh, en termes d'être. Euh, les anges, les archanges, euh, là, chez les anges, on pourrait y aller pendant, pendant des heures aussi, il y, y a de quoi dire, clairement. Mais ce n'était pas forcément ça qui était euh, demandé, là, j'ai envie de dire. C'était plus vis-à-vis -vis du processus d'éveil spirituel. Et quelles sont euh, les différentes étapes, les différentes clés pour pouvoir donc du coup euh, laisser l'Esprit Saint reprendre. Le contrôle. Qui sait qui reprend le contrôle C'est votre âme, parce que vous êtes cet Esprit Saint. Il suffit de venir le développer au quotidien par euh, bah, un, un travail de développement personnel. Et c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de personnes qui vont critiquer le, le développement personnel ou le développement spirituel, tout simplement parce qu'ils ne sont pas pris en termes de niveau de conscience à venir faire ce travail de purification et de, de développement. Voilà, c'est complètement ok. Laisser le temps à chacun d'avancer sur son chemin à nouveau et permettez-vous de faire descendre, si vous êtes prêts, ces esprits saints en vous afin que vos pensées soient de plus en plus positives au quotidien, de plus en plus empreintes d'amour. C'est vous donner à vous-même cet amour, c'est le donner au monde et c'est donc permettre à ce monde cette transformation qu'il attend, qui est là déjà en train de vrai et qui, elle aussi au niveau collectif, a ses étapes, a ses épreuves. Nous sommes ensemble dans cette direction, très chers amis. Explose ce bouton like, commente, partage cette vidéo. Dis-moi comment tu es en ce moment sur ton chemin d'éveil spirituel, dans ton process. Là où tu en es, à nouveau, la vie timide, ce n'est pas sur ce canal. Par contre, tu peux le poser avec l'intention justement d'évolution, dans cette intention de prise de responsabilité. Je suis responsable et créateur de ma vie et je viens co-créer ici avec Julien, avec d'autres personnes qui vont commenter aussi et, et sur différents canaux. Je t'invite à faire ça sur différents, canals, différents canaux et de manière à ce que eh bien, ce collectif euh, vogue ensemble, et que cette vague devienne à nouveau un véritable tsunami sur Terre, un tsunami qui n'est pas euh, dangereux, un tsunami qui est salvateur. Je vous embrasse très très fort. A bientôt. Ciao.